Bonjour. Bonjour. Vous allez bien aujourd'hui? Tu vas bien, mais le CV? Je vais très bien, merci beaucoup. Alors, quoi de neuf depuis la dernière leçon? Quoi de neuf? Ah, le dimanche? Dimanche? Dimanche. Dimanche, je suis allée à Meoko. Alors, il manque un petit quelque chose. Je suis allée à Meoko. Je suis allée à Ameyoko. C'est Je suis ça. allée à Ameyoko. Très bien. Je suis allée à Ameyoko pour faire des courses. Pour faire des courses. Alors, articulez bien et tous les R aussi, s'il vous plaît, Pour pour faire. faire des courses. Pour faire des courses. Beaucoup mieux. Est-ce que vous y êtes déjà allé? Alors, moi, je ne suis jamais allée à Ah, Ameyoko. d'accord. Mais vous connaissez? Et je ne connais pas Ameyoko non Ah, plus. d'accord, ok. Oui. C'est où Ameyoko? Ameyoko se trouve à côté de la station d'Ueno. D'accord. Alors, se trouve, prononcez bien, se trouve. Se trouve, Oui, Ameyoko c'est. se trouve à côté de la station d'Ueno. Très bien, très bien. C'est l'endroit très célèbre. Alors, je comprends ce que vous voulez dire, c'est bien, mais quand vous parlez d'un endroit comme ça, il vaut mieux dire Ameyoko, c'est un endroit très célèbre. Ah, Ameyoko, c'est un endroit, liaison. Oui, c'est ça. Ah, Ameyoko, c'est un endroit très célèbre. C'est bien, c'est mieux, mais attention, à la fin, célèbre, Ah, articulez bien. célèbre. Oui. Ameyoko, c'est un endroit très célèbre. Donc, Très. je pensais que vous y êtes déjà allé. Alors non, je n'y suis jamais allée. Ah, d'accord. D'accord. Alors, il y a quoi à faire à Ameyoko ou il y a quoi à voir? Au revoir. Oh, c'est difficile. C'est difficile, je vous explique. Alors, et on dit plutôt, donc je comprends ce que vous voulez dire. Alors, c'est difficile que je vous explique. C'est pas très naturel, pas très français. Alors, on dit c'est difficile, infinitif plutôt. C'est Ah, difficile de. c'est difficile d'expliquer. C'est difficile d'expliquer. Oui, Ah, beaucoup mieux. C'est difficile d'expliquer. c'est difficile Très bien. d'expliquer. À Meiyoko, il y a beaucoup de magasins, boutiques. Il y a beaucoup de magasins. Il y a beaucoup de magasins, de boutiques, Boutique, très bien. de restaurants, comment on dit? Épicerie, d'épicerie, 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 c'est ça, bien. d'épicerie, Épicerie. d'épicerie, Épicerie, prononcez bien, vous avez bien. Épicerie. épicerie, et Oui, c'est ça. ils ne sont pas chers, ils ne sont pas chers. Alors. Alors, vous m'avez dit magasin, boutique, restaurant, épicerie. Donc, comme il y a des mots masculins et féminins, on ne va pas dire elles ne sont pas chères, on va plutôt dire. Ils ne sont pas chers. Hein? Oui, c'est Ah, ça, c'est ils ça. ne sont pas chers, mais comment dire? Mais c'est un endroit très animé. C'est un endroit très animé, c'est ça. D'accord, C'est un très bien. endroit très animé. Je voulais se promener. Je voulais se promener à Parc d'Ueno. Dans un parc d'Ueno. Alors, je comprends ce que vous voulez dire. Pareil, c'est compréhensible, mais. Se promener, c'est l'infinitif. Ah. Or, c'est vous qui vous promenez. Donc, je voulais. Me promener. Vous voyez. Oui, c'est ça. Ah, Je voulais me promener. je voulais me promener Donc, c'est bien.
dans le parc d'Ueno. Alors, je voulais me promener dans le parc de Ueno, ah, cette fois-ci. Je voulais promener dans le parc d'Ueno. Mais... Alors, vous avez oublié là encore. Faites attention. Je voulais... Ah, je voulais me promener dans le parc d'Ueno. Mais... Très... Ah, je...